Retour ici à Robert Champreau pour la seconde période de la rencontre en temps sportif de Benjaville, Jeunesse Club d'Abidjan 13 Ville, Guillaume Aoutou. Une première partie bien enlevée, une première partie pas très 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 spectaculaire, mais à la clé un but. Ben oui, on ne s'est pas ennuyé, c'est ça l'essentiel, c'est vrai, vous l'avez dit. C'était pas exceptionnel, c'était pas extraordinaire, c'était pas sensationnel, mais c'était un bon match de football, une bonne première 45 minutes où les deux équipes ont essayé de jouer au football, de proposer quelque chose au public qui est venu cet après-midi. Je pense que c'est à leur avantage. Et puis après 45 minutes de jeu, c'est l'entente sportive de Benjaville qui mène 1-0. On ne va pas dire que ce n'est pas mérité parce que c'est vrai qu'ils ont par moments subi, mais les joueurs de Akessé-Lévis ont su réagir, ont su garder la tête hors de l'eau pour porter le coup parfait sur cette savonnette, sur cette faute de main de Ouattara Abdoul Karim, si Savonnet se trouvait là pour marquer ce but qui les met pour le moment en pole position par rapport à la JCAT qui devait réagir. On s'attend à ce que cette équipe réagisse, mais ça voudrait dire que derrière, ça pourrait, il pourrait avoir des espaces dans lesquels devrait s'engouffrer Dogi Patrick, qui aime bien les espaces. Et puis, il y a aussi votre ami Samuel Laurent. Donc, pour moi, c'est une seconde période qui va être aussi intéressante comme la première. C'est vrai, c'était pas exceptionnel, c'était pas extraordinaire, mais c'était pas non plus... c'était intéressant à suivre quand même. Le public, lui, n'est pas venu nombreux. On va dire, il n'a pas raté grand-chose, mais... une bonne petite partie, il a eu tort de ne pas venir. Ben, de toutes les façons, on va dire bravo à nos téléspectateurs, ceux qui nous suivent, qui font confiance à la Ligue 1 et qui, de là où ils se trouvent, pensent que c'est une compétition qui peut leur permettre de voir de très bonnes choses. Nous leur disons déjà merci d'être scotchés, d'être calés devant leur poste téléviseur pour donc suivre cette rencontre. Et puis pour ceux qui ne sont pas venus, je pense qu'ils ont eu quand même tort de ne pas venir. C'est un après-midi qui n'est pas ensoleillé, qui est un après-midi qui est assez propice pour passer du temps dans les gradins et pour suivre donc cette rencontre entre la JCAT et l'entente sportive de Benjerville, bien entendu. L'entente sportive de Benjerville qui mène au score 1-0 et qui... va prendre l'ascenseur pour repartir en Ligue 2. Qui va partir en Ligue 2, c'est dommage. Un spectateur me disait tout à l'heure, une équipe qui joue très bien, qui circule bien le ballon, malheureusement. Mais Roger, comme je l'ai dit, l'équipe de Benjaville va revenir encore plus forte. Ça, je vous le promets, avec les jeunes du centre de formation pour bâtir une très très grosse équipe dans un an ou dans deux ans. Dans un an ou dans deux ans, l'entente sportive de Benjerville contrôle le ballon pour dire que la partie a reparti. Elle est repartie et c'est une position de hors-jeu signalée. Voilà. Il était parti quelques minutes avant, on n'a pas dit quelques secondes avant. On va se réchauffer un peu. Guillaume Aoutou, notre consultant, voilà. Avec une tasse de café. Il faut dire qu'avec cette fraîcheur de Robert Champreau, voilà. C'est pas mal. Il faut venir toujours. Au commentaire ici dans votre cabine. Tant que je serai sollicité, je serai là-bas. Voilà. C'est tout un plaisir. Voilà Guillaume. Et c'est Amadou. Konaté Amadou qui va contrôler pour l'entente sportive pour la Jeunesse Club d'Abidjan 13 Ville. Voilà. Diallo Bakary, Diallo Ogundina, le centre à Bokoum Ibrahim, la tête et le but. Non, le montant, il est en position de hors-jeu. Ouais. C'était bien joué ce centre de Ogundina Michael et cette tête, il aurait pu croiser la tête à Bokoum Ibrahim. Voilà.
C'est lui qui devait donc, si vous voulez, chercher à catapulter ce ballon dans les perches du gardien Claudio Gustave. Malheureusement, il ne fait pas le geste juste. Et comme vous l'avez dit, il devait catapulter, c'est-à-dire croiser la tête pour chercher à prendre à défaut le gardien. Il a, en fait, il rate sa tête. Et sur le coup se trouvait Diallo Bakary, alias Baki, qui était déjà en position irrégulière. Position de hors-jeu. Et c'est une faute signalée. Et l'entente sportive de Belgéville peut repartir avec Bini Kouma, son capitaine. Bini. Voilà Bini. Une faute de Derou Rouxel. Donc coup franc au bénéfice de l'entente sportive de Belgéville. Alors qu'il y a un remplacement. L'entente sportive de Belgéville qui va s'oxygéner avec son numéro 18. Un Gaëssan Deschi, Marcel, on en parlait, il va remplacer Saoui Laurent. Est-ce que c'est un bon choix selon vous? Saoui était percutant, remuant même sur le front de l'attaque. Et la Jeunesse Club d'Abidjan Trècheville qui aussi va s'oxygéner avec Kouo Bomane. Alias Peggy Louis Ndoula. Peggy Louis Ndoula. Qui lui ne joue plus au football, hein, Peggy Lundula. Il est aux États-Unis. Ah oui, c'est la nouvelle. Dans la Major Soccer League. Voilà. Le coin de retraite. Avec Thierry Henry, Abdoul Kader Keïta. Lui, il est en Ligue 2 là-bas. Ouais. Abdoul Kader Keïta. Diallo Bakary pour cette talonnade récupérée par Ogundina Michael. Ogundina, Diallo Bakary, le centre en première intention. Et c'est mal fait, le ballon qui est sorti totalement. Très mal fait. Il y avait mieux à faire sur l'action, il aurait pu contrôler le ballon une fois, une seconde fois à faire le centre. Et voilà. Malheureusement. Il a joué en première intention et le ballon n'a pas été bénéfique à son équipe. Peut-être parce qu'il est en carême. Il ne fallait pas venir jouer. en ce mois de Ramadan. Il fallait s'abstenir alors que c'était un carton jaune administré à Traoré Fantimain, ce garçon qui déborde d'énergie. Cette coupe de cheveux. Le coup franc va partir avec le nouvel entrant. Voilà, Kouo Bomane pour son premier ballon. Il va prendre appui sur Ritier Gonti, le centre shoot. Le shoot qui est passé loin. Et là, il n'est pas content, Moudo Mori. Il lui fait savoir qu'il devait prendre coup de pied. Alors voilà. Que le joueur, lui, l'a cherché à placer le ballon. Placer le ballon. Un intérieur qui n'était pas bien exécuté, donc qui s'est levé. Il devait mettre un peu de puissance, voilà. Comme dit son entraîneur, Moudo Mori. Attention, Dogui. Le shoot. Abdoul Karim Ouattara. Position de hors-jeu signalée. Il n'est pas dans le coup cet après-midi, Abdoul Karim Ouattara. Qu'est-ce qui lui arrive? Voilà ce shoot. Oui. Et Dogui Patrick. Il a. Je cherchais plutôt le porteur. Dao Guillaume Moniquez. Ouais, voilà, c'est lui qui a envoyé cette frappe puissante. Malheureusement, sur la reprise, Dougui. Il était en position de hors-jeu. En tout cas, c'était pas mal essayé, je vous avais dit. La JCAT va essayer d'aller chercher l'égalisation, mais derrière, ça pourrait laisser des espaces dont les joueurs de Benjaville devraient profiter pour essayer de faire la différence, doubler la mise et donc prendre définitivement le large. Voilà, sous le regard de cette belle dame. Mahoutou. Je l'ai dit. Ah oui, c'est voilà les belles bon, voilà. Spectatrices qui viennent prendre plaisir au football. Ça, il faut le faire. On a généralement vu les femmes au handball, au basketball. Quand on les voit au foot, c'est toujours bon. Attention, cette frappe
Heureusement qu'il était sur ses appuis. Blake Kwadwo du Stade. Gessandeshi. Bien joué. Kouvo Bomane n'aura pas le ballon. C'est bien joué. Kone Samba sur le côté alors que le jeu était à gauche. Ouais. Avec. Deschi avait fait l'appel. Tout à fait. Dans Guillaume aussi. Bakary Diallo. Bakary Diallo. Entrée des touches au bénéfice de la jeunesse Claude Abidjan Trècheville. Alors qu'on revoit la tête et la frappe de Ogundina Michael. Une frappe en rupture. Tout à fait. Il a essayé de surprendre le gardien qui était sur ses appuis, comme vous l'avez dit. Voilà la jeunesse Claude Abidjan Trècheville qui va s'oxygéner avec Guayompini. Guayompini, il est international junior. Guayompini, il va remplacer Ogundina Michael. La jeunesse Claude Abidjan Trècheville qui avait aligné son équipe type ce matin. Et à 1h du match, le secrétaire général est venu chambouler le classement, faisant jouer les remplaçants. Et mal lui en pris. Il en a pris, voilà. L'équipe est menée 1-0. Et maintenant, on cherche à faire entrer les titulaires avec Kouwo Bomane et maintenant Guayompini. Peut-être parce qu'il voulait aussi faire participer tout le monde à la fête de la Ligue 1. À la fin de la saison et au dernier match, permettre à ceux qui n'ont pas joué pratiquement, alors que c'est un pied trop levé signalé. Je pense qu'il signale une position. Position de hors-jeu. De hors-jeu. On va voir sur. Sur le ralenti. Le ralenti, si la raison ou s'il s'est. Vous voyez. Voilà Guayompini pour son premier ballon. Il est récupéré. Attention dans le dos de la défense. Savané. Il est là, heureusement. Abdoul Karim Ouattara. Et il n'est pas content. Boudomori. Vous ne le voyez pas sur les images, sur votre écran. Voilà. C'est bien joué. C'est Oulu Franck. Il est bien revenu. Kwaku Yao Patrice. Pour dégager son camp. Le dégagement n'ira pas loin. Il est récupéré par Oulu Franck. À ses côtés, Guayompini qui prend appui avec Traoré Fantimain avec Derou Roussel. Derou, Héritier Gonti, le ballon est récupéré. Héritier Gonti a eu le compte favorable avec Kouyogbelia sur le côté gauche. Kouyogbelia, le crochet, le centre. Okowo Bomane, il a raté la talonnade. Ça aurait été le geste parfait. Malheureusement, il était en position de hors-jeu. Mais qu'est-ce qu'il a voulu faire? Voilà le centre de Kouyogbelia, Kouyogbelia Bomane avait un mètre d'avance. Il était couché dans la surface avec un matelas. Tout à fait. Mais est-ce que c'était le geste qu'il fallait faire? Ah oui, le geste, il aurait pu surprendre le gardien parce que le gardien s'attendait à autre chose. Le geste aurait pu surprendre ce gardien qui attendait le ballon au second poteau. Rentrée de touche et changement. Pour l'entente sportive de Benjéville qui va faire entrer son numéro 29, Kwadwo Aimeric. Aimeric, ah oui, c'est un nom de prénom assez rare. La rentrée des touches de Binikouma pour Deschi. Gessandeschi, le ballon est récupéré par Kwaku Romeo, Guayompini, Kouwo Bomane, Kouwo Bomane, Kouyogbelia. Stéphane. L'entente sportive de Benjéville a récupéré Héritier Gonti. Kouwo Bomane à ses côtés. Kouyogbelia. Kouwo Bomane. Le shoot en mouvement. Et le ballon va passer à côté. C'était bien essayé, Guillaume Aoutou. Non, c'est vrai qu'il a frappé au but. C'était bien essayé, mais je pense qu'il y avait mieux à faire. Il y a Kouyogbelia qui a pris l'extérieur. Il aurait pu jouer avec lui. Et puis aller se replacer au cœur de la défense pour attendre ce centre qui allait venir. Malheureusement, il a essayé de jouer en soliste. Malheureusement, comme je le dis, ça n'a pas été. La balle a fui le 4 qui donne une relance pour l'entente sportive de Benjerville. L'entente sportive de Benjerville qui va contrôler. Héritier Gonti a récupéré le ballon. Il a joué avec Guayompini. Qui a trouvé Diallo Bakary aux prises avec Daoudiom, le shoot. Et il est là,
Blake Kwadio Gustave se couche sur le ballon. Voilà. Bakary Diallo se shoot. Et le ballon n'est pas sorti. Hein. Il n'a pas franchi la ligne de, de but. Mais ce que je voulais faire remarquer, c'est que le gardien, il s'est. Nguessan Dechi dans la surface de réparation. Il a cherché la solution solitaire. Alors qu'il y avait un défenseur, un partenaire au milieu de la défense. Il y avait deux joueurs, Dao Guillaume et Dogi Patrick, qui attendaient le ballon au point de pénalty. Il a choisi d'aller défier Ouattara Abdul Karim seul, regardez, sur cette action. Alors que là, la solution était là. Fait le retrait pour son partenaire qui était au point de pénalty. Tout à fait. Malheureusement, il a choisi la mauvaise option. Et la jeunesse Claude Abidjan Trècheville qui revient. Le renvoi défensif déroule le shoot, il est contré. Et c'est l'antenne sportive de Benjéville qui va repartir avec Adou Gérard, Adou Kofi Gérard. Qu'on est. L'antenne sportive de Benjéville. Il va s'interposer. Konaté Amadou sauvé. Voilà, le ballon au placement au 5m50 alors qu'on a Kaye Oulahi. Il est le directeur technique adjoint. Le directeur technique adjoint. La Fédération Ivoirienne de football. Tout à fait. Kaye Oulahi, ancien entraîneur du stade Abidjan. Le CEO Sport de San Pedro. Tout à fait. Voilà, le centre est parti. La tête de Traoré Fantimine. Doki Jean-Patrick est à la rescousse. Nous abordons la surface de réparation. Doki, le shoot et but. Oh non, oh, quelle claquette de Abdul Karim Ouattara. Il n'était pas dans le coup, mais sur ce coup-là, la claquette elle était belle. Guillaume Aoutou. Oui, c'était bien joué de part et d'autre. Hein. D'abord la frappe enroulée de Doki Patrick. Et puis l'envolée spectaculaire de Ouattara Abdul Karim. Ouattara Abdul Karim. Oui, c'est vraiment, c'était bien joué de part et d'autre. Et ce sont ces gestes comme ça qu'on a envie de voir. Le corner est parti. Le renvoi défensif de Traoré Fantimine. Alors qu'il y a une position d'hors-jeu. Position d'hors-jeu. La frappe de Dogi Patrick avait été légèrement déviée, ce qui donnait une trajectoire assez bizarre hein, au ballon. Heureusement pour la JCAT, la détente phénoménale de Ouattara Abdul Karim permet à l'équipe de rester encore en vie parce que 1-0, ce n'est pas. C'est encore jouable, mais à 2-0, à la 60e minute de jeu. À l'heure de jeu, ça allait être compliqué. Oui. Abdul Karim Ouattara, qui n'a pas fait une grande partie, mais sur ce coup-là, il a sorti le grand jeu. Et son équipe peut respirer, comme dit Guillaume Aoutou. À 1-0, c'est jouable. À 2-0, ça semble un coup de poignard. Voilà, Héritier Gonti avec Terry Rouxel, Derou. Kouobomane dans l'espace, il a trouvé Kouyok Belia qui joue en première intention, le ballon il fuse et c'est un corner. Corner au bénéfice de la jeunesse Claude Abidjan Trècheville sous le regard de ses supporters de l'ancien athlète ivoirien, ouais. Gaoussou. Ah ouais. Qui a fait le geste pour dire qu'il y avait mieux à faire sur l'action. Le corner il est parti, la tête de Derou. Il n'a pas pris la direction, elle n'a pas pris la direction du poteau. Cette tête de Derou Rouxel, c'était bien essayé. Voilà, la tête de Derou Rouxel. Ouais. Derou, dont le père était ancien joueur du Réveil Club des Dallois. Ici. Ancien arbitre aussi. Ancien arbitre international. Il a été le directeur Derou Michel. Du star Robert Champrou. Oui, qui a été patron de Robert Champrou depuis, pendant un bon moment, pendant au moins 5 années. Hein. Derou Michel, qui a au moins 2 fils en Ligue 1, dont un est resté à Benjerville. Et c'est Rouxel qui est sur la pelouse de Robert Champrou cet après-midi. On va saluer Derou Michel, qui a apporté beaucoup au football ivoirien. Absolument. Sur le terrain, sur les terrains, en tant qu'arbitre et en tant que footballeur. On a dit qu'il a réussi sa reconversion. Tout à fait. Et c'est Diallo Bakary sur le côté. Il va reprendre, on va lui reprendre proprement ce ballon alors qu'il attendait le photographe. Voilà, Guessan Dechi. Le ballon n'est pas sorti. Dogi Patrick a pu le sauver. Dogi, le 1 contre 1, il va perdre le ballon. Bini Kouma envoie le centre à la poitrine de Sissafane. Le shoot. Oh là là. Attention, c'est pas fini. L'intense sportive de Benjéville. Il a amorti la frappe. Il est contré.
C'était, voilà, un spectateur qui... Qu'est-ce qu'il a voulu faire ? Sur la première opportunité, il avait la possibilité de décaler dans Guillaume Niquez. Il ne le fait pas, il essaie de jouer en soliste. C'était pas la meilleure chose. Regardez, regardez, je retourne. Il est là. Il aurait pu donner ça tout de suite. Oh là là, qu'est-ce qu'il fait ? Oh. Et voilà, une seconde chance. Et cette fois, il est contré. Oui. Il y avait corner, mais l'arbitre a décidé autrement. Que Yogbeli à Stéphane pour revenir au direct. Voilà, on revoit l'action. Ah, si la JCAT revenait dans la partie, si la JCAT revenait au score. En temps ben, sportif de Benjéville va regretter ce ouais, genre d'action. Absolument. Ça veut dire deux actions manquées. Deru Routel a pris appui sur Kouyo Bomanin. Le ballon est récupéré par la défense des Banduéza. Diallo Bakary l'a récupéré à nouveau. Deru va lever le ballon. Renvoi défensif de Kofi Romeo. Kouyo Gbelia, la Genesco d'Abidjan Trashville qui revient à la rescousse. Kouyo Bomanin pour le 1-2. Et c'est un corner. Corner, la partie qui la, s'anime un peu. Absolument, absolument. En tout cas, c'est à l'honneur de ces 22 acteurs parce que c'est ce qu'on avait souhaité, c'est ce qu'on avait désiré. C'est vrai, petit public, mais on avait besoin pour ce dernier match, pour ne pas dire pour cette dernière rencontre hein, entre les deux formations pour la saison 2012-2013, on avait besoin de rythme. Parce que c'est deux équipes qui savent jouer au football et nous le rendent bien, hein, ce que nous avons dit. Et pour le moment, on ne s'ennuie pas. Konazo Ebiya Thomas a remplacé Seoulou Franck chez les Abidjanais qui vont avoir ce corner. Il est parti. Le ballon revient sur. Konazo Ebiya va essayer d'apporter un peu plus de percussion avec attaque. Sa vivacité et son sens du dribble pour essayer d'amener un peu les ballons au cœur de la défense de Benjaville. Et vous savez, il va très vite, lui aussi. Il a une bonne pointe de vitesse qu'on a Konazo Ebiya Thomas. C'est un ancien joueur de LASCO, de Ouragayo, comme... L'association sportive de club de Ouragayo. Ouais, comme notre ami Seoulou Franck. Seoulou Franck. Comme Kouyo Gbelia. Kouyo Gbelia aussi. Et voilà. Envoyant long ballon. La tête de Kouyo Gbelia, récupérée par Ritier Gonti. Le renvoi. Gessan Deschi, Kouyo Gbelia et Ritier Gonti. Voilà. Deschi entre ces deux joueurs. La tête de Kouyo Bomanin, récupérée par Abdou Kofi Gérard. Gessan Deschi aux prises avec Kouyo Gbelia. C'est Deschi qui a le ballon. Un long ballon. On cherche Dogui Jean-Patrick. Le contrôle Dogui entre deux défenseurs. Attention. Gessan Deschi, le renvoi défensif des Abidjanais. Kwaku Yao Patrice. Le centre de Kwaku Yao Patrice directement dans les bras, sinon dans les gants d'Abdoul Karim Ouattara. Guayompini pour relancer la machine abidjanaise. Il a vu Konazo Ebiya Thomas sur le côté droit. Konazo a pris appui sur Guayompini. Guayompini, un joli dribble sur Bini Kouma. Héritier Gonti. Diallo Bakary. Konazo Ebiya Thomas. Pour dire que tous les titulaires de la Genesco d'Abidjan 13 sont revenus. Attention, Kouyo Bomanin, tranquille pour Blaise Kouadio Gustave. Alors que Ami Ouattara peut appeler pour dire que l'entente sportive de Benjéville mène ici à Robert Champroux 1-0 ouais. En cette voilà la tête de Héritier Gonti. On revoit alors qu'on revoit ce triple de Guayompini. Voilà, mis 66 minutes et 1-0 pour l'entente sportive de Benjéville. Guayompini qui a récupéré Kouyo Bomanin. La défense benjévilloise se regroupe aussitôt et peut se dégager. Kwaku Yao Patrice, Dogui Jean-Patrick, Dogui, attention, Ouattara Abdoul Karim est sorti et le ballon, lui, peut sortir aussi en sortie de but. Roger Dédi, notre ami Boudo Mori a réorganisé son équipe parce que avec la rentrée de
Dechi, Nguessan Dechi, il a vu que le danger pouvait venir de sa défense gauche, donc il a réorganisé son équipe. Il est revenu avec une défense à 4, en faisant descendre notre ami Kouyok Belia et en repartant avec un 4-4-2, deux pointes avec Gonazo Biya Thomas et Peggy. Et puis Guayon Pini et Diallo Bakary prennent les deux côtés du milieu de terrain pour essayer de porter le danger dans le camp de Benjaville. Pour le moment, ce n'est pas encore productif parce que Benjaville reste bien en place. Et puis je voulais vous faire remarquer, le porteur du numéro 29 de Benjaville, retenez bien ce nom, ce garçon pourrait donc constituer avec Diallo Ismaël Chester l'épine dorsale de l'équipe qui sera monté pour les batailles en Ligue 2. En Ligue 2, il faut dire, hein, c'était grosse bataille. Djuma tout l'indiquait tantôt. Là-bas, c'est des batailles épiques. Des batailles où on ne se fait pas de cadeaux. Absolument pas. Et pour monter, il faut manger du cheval. Attention, Diallo Bakary, le shoot. Il ne cadre pas. Le ballon va sortir pour un placement aux 5m50. Ouais. Alors qu'on voit Diallo repartir ce shoot. C'était bien joué, hein, dans la construction, dans la combinaison qui amène cette frappe de Diallo Bakary alias Baki. C'était bien joué. On sent que la JCAT, comme vous l'avez dit, qui a fait rentrer ses joueurs cadres, hein, ses titulaires, essaie de prendre le jeu à son compte. Cela, évidemment, montre leur envie d'aller chercher cette égalisation. Si on ne peut pas gagner, il ne faut pas perdre, même si c'est la dernière rencontre du championnat qui ne nous apportera rien au niveau du classement. Bien entendu. Comme nous a indiqué le gardien de Bassam le week-end d'avant, il jouait pour la prime et la jeunesse club d'Abidjan Trècheville certainement joue aussi pour la prime. Les joueurs jouent pour la prime. Il ne faut pas la manquer, cette prime. Elle est hyper importante chez les joueurs. pour les dirigeants, c'est... dans quelle position ils sont actuellement? Et qu'ils perdent, on n'aura pas à payer des primes de match. De toutes les façons, c'est fini. C'est fini. Alors que là, ils veulent gagner pour aller prendre la prime de match. Et là, s'ils gagnent, il faut payer la prime. Pour l'instant, ce sont les Benjévillois qui, même descendus en Ligue 2, vont quand même payer la prime des victoires. Ouais, pour le moment, à la 70e minute de jeu. J'aimerais pas être dans la peau de ces dirigeants, voir une équipe qui descend en Ligue 2 et payer la prime de victoire. Ça fait partie du jeu. Une prime de victoire pour le dernier match, alors qu'on revoit cette action qui a emmené la faute. Le coup franc avec Iritier Gonti, c'est parti, Guayon Pini. Il a sifflé un peu plus tôt et il va prendre attention. Le carton jaune, Héritier Gonti. Le troisième carton de la partie et surtout... Pour la JCAT. Trois cartons pour la JCAT. Oui. Trois cartons. Oui, trois cartons, Traoré Fantimain, oui, Bakary Diallo et Héritier Gonti. Mais au tableau d'affichage, c'est Benjerville qui a un. Qui a un. C'est à zéro. Voilà, Deru Rouxel. La pluie a pris sur Kouyok Belia. Il cherche à Guayon Pini, il a trouvé Guayon Pini. Guayon Pini. Kouyok Belia. Guayon Pini. Deru Rouxel, attention. Konaté Amadou. Konaté. Traoré Fantimain. Kouyok Bomanin. Héritier Gonti. Mauvais ballon. Directement. Dans les pieds de Blaise Kouadio Gustave. Blaise Kouadio. Il va envoyer ce ballon. C'est un jeune gardien. Hein. Oui, jeune gardien. Traoré Fantimain. Long ballon dans la course de Kouvo Bomanin. Il est là. Guayon Pini l'a récupéré. Il va chercher Gonazo Biya Thomas. Gonazo va compter sur sa pointe de vitesse. Attention, le mauvais ballon. Kouyok Belia est à la bataille. Kouyok Belia a récupéré le ballon. Le centre instantané. Diallo Bakary. Et il aurait pu croiser ce shoot.
envoyé un shoot croisé. C'est pas fini. La Jeunesse Club d'Abidjan 13 villes qui presse avec Deru Rouxel. Dans la foulée, le ballon est récupéré. Adou Kofi Gera. J'ai vu moi la reprise de volée, hein, instantanée. Instantané de Diallo Bakary. Est-ce qu'il avait les capacités techniques pour réaliser ce geste? Regardez-la. Il a voulu contrôler d'abord. Oh là là. C'est le contrôle qui l'a trahi. C'était pas le bon geste. Voilà le centre en première intention de Kouyo Gbelia. Et là, la reprise de volée, je m'attendais à ça. Il a dû le prendre comme elle est venue. Oui. Malheureusement. C'était pas le bon geste en tout cas. Il ne fait pas le geste parfait. Et Sengue Sandéchi et l'entente sportive de Benjéville qui s'en sortent bien. Et la JCAT a un coup franc. Un coup franc bien placé, des roues et à cette distance. Ouais, il est capable. Hein. Il les met souvent. Il est capable de les mettre. Qu'est-ce qu'il en sera cet après-midi? Des roues. Le shoot est parti. Légèrement au-dessus de la transversale de Blaise Kouadio Gustave. Alors qu'on revoit. Il prend bien le ballon, mais yes. Il n'ajuste pas bien. Ouais. Le ballon atterrit derrière le but, alors qu'il devait atterrir dans le but. Ouais. Il va se dégager. Le portier Benjervillois. Héritier Gontier a récupéré le ballon. Il cherche Gounazo. Et c'est l'intense partie de Benjerville. Il va bénéficier d'un coup franc. Le coup franc de Kouadio. Amérique, Kouadio cherche la tête de Dougui, Héritier Gonti, Derou, Héritier, mauvais ballon, il a récupéré Kogo Bomanin, attention Bomanin, sur le côté droit, il y a Bakary Diallo, il a contrôlé, il va se mélanger les pinceaux, le centre, et c'est Blaise Gustave. Il s'en sort bien, le portier de Benjerville au grand dam de Boudomori. Il a toutes les opportunités, Bakary Diallo, mais pour le moment, il est inefficace. Au grand bonheur de l'US Benjerville. Et l'entente sportive de Benjerville. Et Sengue Sandéchi qui a changé de côté. Deschi place le ballon pour Dougui. Jean-Patrick en position de hors-jeu. Dougui. Ah, quand il part dans le dos de la défense comme ça, il est dangereux. Attention, voilà, on revoit l'action. Dougui, il est à 1 mètre d'avance sur... Je ne crois pas, avant le départ du ballon. Non, il est parti légèrement avant le départ du ballon. Et donc, il a pris une position légère d'avance. C'est la Jeunesse Club d'Abidjan 13 villes avec Kwame Kwaku Roméo. Avec Kouyo Gbelia, Kwame Kwaku Roméo. Qui est revenu en défense centrale. Guayompini. Kouyo Gbelia. Guayompini. Kouyo Roméo. On va sortir. La JCAT a repris la direction du jeu depuis 5 bonnes minutes. Hein. J'essaie d'imprimer un rythme soutenu à cette rencontre pour essayer d'aller chercher l'égalisation d'abord et puis pourquoi pas aller chercher le but de la victoire. Mais pour le moment, Benjavi tient bon. Voilà. Kouyo Gbelia qui va contrôler. Kouyo Gbelia, Kouyo Bomanin. Le ballon est récupéré par la défense. Gessan Deschi, Logi Jean-Patrick, Aymeric. 75 minutes ici à Robert Champrou, bientôt 76 minutes. Et c'est l'entente sportive de Benjéville qui mène au score. Plus que 14 minutes à jouer. Attention, Kouyo Bomanin, Ngonazo a mis le pied. Il n'a pas eu ce ballon. Et c'est Bini Kouma. Long ballon, directement en touche. Le ballon productif. Tout à fait. Pourquoi il n'a pas cherché à sortir proprement ce ballon? Attention, Kouyo Gbelia a manqué ce ballon. Aux abords de la surface de réparation, il va obtenir un coup franc. Il est allé chercher ce coup franc. Dao Guillaume Niquez. Ouais. Il a profité de la perte de balle de Kouyo Gbelia, Stéphane. Ouais, il est allé chercher la faute. Tout à fait. Ouais. Il a cherché.
C'est un coup franc bien placé. Légèrement désaxé. Kone Samba est sorti. Certainement que c'est Doggy Patrick qui va prendre ce ballon. Doggy. Il y a aussi Deschi à côté du ballon. Finalement, Deschi va laisser la. Si Diabaté Nza avait été là, c'est lui le spécialiste. Voilà, le son entraîneur a caissé le whist, demande où il va où. Il va où Deschi. À ses côtés. Adou Gérard. Adou Kofi Gérard. Adou Kofi qui va certainement faire le faux train. Et Doggy va placer le ballon dans le petit filet. C'était bien joué, Guillaume Aoutou. C'était bien joué. C'était le geste qu'il fallait faire, le geste parfait. Malheureusement, de rien, il manque sa cible. En tout cas, c'était bien joué. Si la frappe avait été cadrée, je devine aisément qu'il allait avoir des gars dans le camp de la JCAT. Mais pour le moment, c'est toujours le statu quo au tableau d'affiche à 1-0. Voilà. Long ballon. C'est une rentrée de touche au bénéfice des Bégervillois qui sont à 12 minutes d'une dernière victoire pour cette saison en Ligue 1. Un temps sportif de Bégerville, comme on l'a indiqué d'entrée, veut finir en beauté, veut finir sur une bonne note. Attention, on va faire la faute offensive. Si Savané Ismaël sur Konaté Amadou. Sur le coup, on peut dire que c'est l'arbitre qui vient au secours de Konaté Amadou parce que là, ils étaient à la lutte, hein, les deux joueurs. Et puis bon, voilà. Attention. Il n'y a pas de faute. Il a laissé jouer l'avantage. Bini Kouma. Bini, le ballon n'est pas sorti. Il est sorti. Il a franchi la ligne de but. Bini, il est très fidèle, hein, à cette équipe. Là, le regard de Bachir Diabaté. Ouais. Il doit avoir beaucoup de regrets, notre ami Bachir. Ouais, ouais. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête actuellement? Ah oui, il va se dire, une équipe comme ça, une seconde équipe qui arrive à titiller le sixième du championnat. J'aurais pu faire mieux. Malheureusement, on va prendre la porte de sortie. Et ça. Et qu'est-ce qui n'a pas marché? Ce qui n'a pas marché, il y a eu beaucoup de déchets en attaque, beaucoup de déchets au milieu de terrain, même en défense. Et ça se paye cash et l'équipe de Bégerville a payé cash. Je pense que l'entente sportive de Bégerville a tiré toutes les conséquences, toutes les leçons de cette saison, on va dire cette mauvaise saison, et reparti des bons pieds en Ligue 2 pour prendre l'ascenseur, ce qu'on leur souhaite rapidement, revenir faire des bonnes prestations en Ligue 1, là dans 2 ans, on va dire, dans 1 an. Voilà, dans 1 an. Je vais vous dire après pourquoi ça n'a pas marché. D'accord, on vous a vu à la mi-temps échanger avec le président de Bégerville. Donc, nous avons de très bons rapports. Voilà. Voilà. Nous sommes très proches de cette équipe. Tout à fait. Assez sympathique. Voilà l'entente sportive de la jeunesse Côte d'Abidjan 13. Je vais avec Gonazobi Yatoma qui a changé de côté. Le centre est contré. Et c'est Kouadjoua Emerick qui va mettre le ballon en touche. Plus que 9 minutes à jouer. Le temps réglementaire ici à Robert Champreau. Dero. Guayompini. Traoré Fantimet. Traoré. Guayompini. Il va revenir sur Dero. Alors que faut aller devant. Il va solliciter le 1-2. Tout à fait. Ouais. Diallo Bakary. Diallo, c'est bien joué dans l'espace avec Traoré Fantimet. Attention au premier poteau. Tranquille pour le gardien. Il aurait pu mettre le ballon au premier poteau. Où voilà. Il y avait l'appel de Bakary Diallo. De Bakary il Diallo a fait l'effort. Même, oui. Voilà. Il a fait l'effort. Et de Kouo Bomane juste derrière Bakary. Voilà, Kouo Bomane. Voilà. Je ne varie pas dans mes propos, Roger. Vous qui avez joué en Ligue 1 avec les Indomptables d'ici. Le souci, le problème de nos joueurs aujourd'hui, c'est de savoir faire les choix justes. Surtout sur ces genres d'action. Les centres,
C'est le football moderne, c'est ça, les retraits. Il faut savoir les faire. Les retraits, c'est l'arme fatale. C'est l'arme fatale, le football. Malheureusement, on essaie ni faire les centres, on essaie ni faire les retraits. Et quand c'est comme ça, c'est difficile de gagner un match. Vous allez voir, les équipes qui ont du mal à ajuster les centres sont ces équipes-là qui ont du mal à gagner les matchs. Kofi Adou Gérard, il a trouvé Kwaku Yao, Patrice, le centre de Patrice. Attention, Deschi. Et c'est Héritier Gonti qui va sortir de son camp tranquillement. Il a trouvé Guayon Pini. Sur le côté, il y a l'appel de Bakary Diallo. Il a choisi une autre option, celle de Gonazo Biyatoma. Et le ballon n'arrive pas à Gonazo. C'est juste. Directement dans les bras. Il faut jouer en première intention. Il faut donner le ballon tout de suite quand il y a l'appel. Et il faut choisir la bonne option. Malheureusement, ce n'est pas toujours que ça marche. Et c'est Bini Kouma. Bini. C'est vrai, on nous dira que d'ici, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais voilà, c'est des gestes qui, pour moi, quand... c'est un joueur professionnel. C'est des joueurs qui jouent au football voilà, matin et soir. Donc c'est... Vraiment, il y a des automatismes qu'ils doivent avoir. Absolument. Contrairement si à nous autres peut... qui jouons voilà. au football maintenant pour entretenir la forme. Voilà, les dimanches et les samedis. Si on ne peut pas le faire, c'est pas la peine. Tout à fait. Ben voilà. Ben on va dire, c'est ça aussi, le haut niveau. C'est ça, ça se paye cash. Absolument. Quand vous n'y allez pas du geste juste, voilà, vous le payez tout de suite. Pour revenir sur ce qui n'a pas marché à Benjerville, je pense que c'est un problème disciplinaire. Vous savez, tout à l'heure, le président me disait, moi, ça fait depuis le temps que Camara était à la tête de cette équipe, je ne suis jamais descendu dans les vestiaires. Mais cette année, j'y vais régulièrement. Parce que quand Camara était là, il avait installé un code disciplinaire. Vous pouvez être titulaire, mais ne pas avoir la même prime de match. C'est-à-dire, s'il se rend compte que vous n'avez pas fait l'effort qu'il fallait pour permettre à l'équipe de gagner, vous n'aurez pas la même prime de match que ceux qui ont fait l'effort. Voilà. Et si vous êtes sur le banc de touche, vous n'avez pas la même prime de match que ceux qui sont sur le terrain. Et donc, il y avait une saine émulation. Tout le monde voulait avoir une bonne prime de match. Et puis, ça ne badinait pas avec la discipline. Il y avait toujours... on faisait des ponctions sur les primes de match, sur les salaires. Et pour ceux qui auraient enfin été disciplinés. Attention! Alors qu'il y a un corner, oui, Guillaume. Voilà. Donc, c'est tout ça. Le Camara est parti. Est-ce que son héritage a été bien géré? C'est la question qu'on se pose. Je ne crois pas véritablement. Aujourd'hui, c'est tout ça. Et donc, le président a décidé de repartir avec le centre de formation, avec la discipline du club. Attention! Et voilà. Voilà. Blake Kwadjo. Qui rassure sa défense, avec sa défense il prend ce ballon. Ballon tranquillement. On revoit l'action, le centre est parti. Blake Kwadjo tranquille, le corner pardon, il prend le ballon entre Gonazo Biyatoma et Kouo Bomane. Resté au sol le portier Benjervillois. Voilà, il a demandé que les soigneurs viennent le visiter. Voilà, c'est un problème disciplinaire. Guillaume Aoutou l'a indiqué. Camara est parti. Malheureusement, Camara est désormais l'entraîneur de l'équipe nationale cadette, champion d'Afrique avec l'équipe nationale cadette. C'était en avril dernier au Maroc. Nous y étions. Et voilà, ça va être difficile que Camara revienne avec ce qu'il a fait en équipe nationale. Ça va être difficile qu'il revienne dans un club. Désormais, c'est un entraîneur avec lequel il faudra compter. C'est jamais même pour... Avec lequel il faudra compter. Peut-être même pour pourquoi pas un jour avec l'équipe A. Avec l'équipe A. Ouais. Répéter ce qu'il a fait avec. Parce que là, ce n'est pas encore fini, l'aventure continue. Il aura à partir du 17 octobre prochain la Coupe du Monde de la catégorie des U17. Ce sera aux Émirats Arabes Unis. Et donc, voilà, avec Camara Ibrahim sur le banc de touche des éléphants cadets. Et donc, voilà, difficile pour lui de revenir. Mais pourquoi pas, l'équipe de Benjamin pourra certainement continuer de bénéficier de son expertise, même d'autres clubs qui le souhaiteraient. Comment il a fait pour gagner, ça aussi, il peut le faire partager
avec aux autres entraîneurs, parce que c'est un monsieur qui est très très impliqué dans la formation, dans le progrès des techniciens locaux. Nos entraîneurs nous disaient, la première victoire, c'est la rigueur. Quand il y a une rigueur qui est installée dans un club, les choses vont facilement. On se respecte entre joueurs, on respecte les dirigeants, on respecte les entraîneurs, les encadreurs. Et quand il n'y a pas de discipline, et comme dit Yaya, la victoire part de la maison. Quand vous n'êtes pas discipliné, vous n'êtes pas uni dans le club, et naturellement. Ça, et ça pour la discipline. Hein, ça, Camara est quelqu'un d'assez rigoureux. Absolument. Il a démontré à Bégerville, il a démontré en équipe nationale, cadette. Et malheureusement, ce n'est pas toujours qu'il sera là. Absolument. Il faut cultiver sa discipline. Il faut se l'inculquer. Il faut se l'inculquer. Et puis, discipline, état d'esprit. Tout à fait. Envie d'aller ensemble, gagner pour gagner ensemble. Un esprit de gagneur. Voilà, jouer les uns pour les autres. Et puis, quand vous avez cet état d'esprit, vous pouvez avancer. Le jeu, lui, se poursuit. Et c'est l'entente sportive de Bégerville qui... Et c'est la jeunesse club d'Abidjan 13 Ville qui contrôle avec Goua Yompini. Yompini, il est contré. Il n'y a pas de faute. Kouyogbeli a récupéré le ballon. Et c'est un coup de sifflet. Il avait laissé jouer l'avantage. Il est revenu à la faute. Je ne crois pas qu'il y ait faute. Parce voilà. Que là, il y a faute. Ça fait partie du jeu. Le football, comme le disait notre ami Victoria Kamieza, ancien international, ancien joueur de l'Africa, il dit le football, c'est pas un jeu de gonzesses. Pas un jeu de demoiselles. Voilà. Voilà. Ben bon, maintenant les gonzesses jouent au football. Gonazo Biya Thomas avec Goua Yompini. Roméo. Konaté Amadou. Kouo Bomane. Kokuyao Patrice. Je pense qu'il y aura 4 minutes de temps additionnel. 4 minutes de temps additionnel. JCAT réclamait un pénalty sur ce centre. Voilà, le corner va partir. La tête de Kokou Patrice. Attention, Konaté. Et il va se dégager. Et c'est une sortie de but. 4 minutes de temps additionnel. Comme nous l'indiquions. La jeunesse Claude Abidjan Trècheville qui s'achemine vers sa dernière défaite de la saison et qui va finir la saison. Mais sur une mauvaise note. C'est ce que je vous disais, une équipe qui est capable du meilleur comme du pire. Ah oui, qui alterne le bon et le moins bon. Voilà, un constant dans les résultats. On peut finir 6e du championnat national de Côte d'Ivoire et perdre devant la lanterne l'avant-dernier du championnat qui va descendre en Ligue 2. C'est ça aussi la JCAT. Kouo Bomane. Pour l'un de ses derniers ballons, Kouo Bomane, il est repris. Attention, Gonazo. Le shoot, il a voulu envelopper sa frappe, malheureusement. C'est un geste difficile. Difficile, c'était un contre favorable. Je me pose toujours la question. Pourquoi on essaie les gestes qu'on n'a pas l'habitude de faire à l'entraînement? Il faut avoir la capacité technique pour le faire. Si tu n'as pas, tu ne le fais pas. Tu fais ce que tu as l'habitude de faire et que tu réussis à l'entraînement. Mais là, il a essayé un geste difficile, ça n'a pas marché. Gonazo a l'habitude de marquer des très très beaux buts. Il a voulu s'essayer à un autre geste. Question de mettre un très très beau but parce que Gonazo fait partie des... Il a 3 buts dans le top but que nous avons réalisé toute la saison. Et donc, il a voulu y aller d'un autre très beau but, malheureusement. pour clore sa saison. Tout à fait.
Attention, Adou Kofi Gera. Dogui, Dogui, et la paire de Koné. Attention, but! Le deuxième but pour la Tasmanie de Benjamin. J'ai flairé le coup. Superbe appel dans l'intervalle de Dao Guillaume Niquez. Et le coup d'œil magique de Dogui Patrick qui l'a vu. La passe était millimétrée, le contrôle, le geste parfait. La frappe du gauche qui prend contre pied le gardien Ouattara Abdul Karim. Oh, quel regret! Éternel regret pour l'entente sportive de Benjamin. Parce que quand on voit ce geste, ce but, on se dit qu'on n'avait pas le droit de faire cette erreur. C'est, on pourrait l'assimiler à une faute professionnelle. Hein, ce qu'ont fait les joueurs de Benjamin cette saison. Envoyer Benjamin en Ligue 2 alors qu'ils avaient la possibilité de se maintenir dans l'élite. Tout à fait. On pourrait l'assimiler à une faute professionnelle parce que sur ce coup-là, ils ont montré qu'ils avaient la capacité et surtout les arguments techniques pour rester dans l'élite du football ivoirien. La jeunesse Claude Abidjan 13 ville menée au score 2-0 en cette 93e minute. L'entente sportive de Benjamin qui réalise le coup parfait, qui dit au revoir à la Ligue 1 de fort belle manière. Ce but majestueux, belle combinaison et à la clé, ce but de Dao Guillaume Niquez. Très très beau but. Très beau but. Abdul Karim Ouattara n'y pouvait rien. Et Benjerville qui sort de la Ligue 1 de la très très bonne, de très très bonne manière. C'est le scénario qu'on avait prévu en début de commentaire. De commentaire. Une équipe qui voulait mourir comme chez nous, comme le petit cabri. Voilà. Avant de mourir, va chercher rumine hein, avant d'aller au purgatoire. Tout à fait. Ben voilà. Et sur ce, c'est terminé la saison pour l'entente sportive de Benjerville. Et c'est fini pour la jeunesse Claude Abidjan 13 ville aussi, qui sort de cette Ligue 1 de cette saison avec un score de 2-0. 2-0, Guillaume Aoutou, commentaire de fin de match. À la différence de la JCAT qui va rester en Ligue 1 la saison prochaine, Benjerville dit au revoir à la Ligue 1. Mais Benjerville aura donc sur ce coup-là montré qu'elle avait des arguments, qu'elle avait, si vous voulez, la capacité, les potentialités techniques pour rester dans l'élite du football ivoirien. Malheureusement, on l'a dit, et regret éternel pour cette équipe qui va descendre. Mais sinon, comme on l'avait prévu en début de commentaire, on prévoyait une belle petite partie. Ça n'a pas été une partie extraordinaire, mais on ne s'est pas ennuyé. Deux équipes qui voulaient jouer au football, qui ont joué au football. Et au final, c'est Benjamin qui gagne 2-0. Benjamin aura mérité sa victoire. La JCAT n'a pas joué comme il se devait pour ne pas perdre cette rencontre. Finalement, ils n'auront pas eu cette cinquième place. Ils partent sur une mauvaise note. Dans tous les cas, ils devraient donc refaire cette équipe pour revenir la saison prochaine avec de meilleurs arguments pour pourquoi pas jouer les premiers rôles. Pour Benjamin, il s'agira de repartir à zéro pour revenir le plus tôt possible dans l'élite du football ivoirien. C'est la mission que va se donner le président Diabaté Mamadou Bachi. En tout cas, pour nous avons été très heureux avec vous. Merci. Merci Guillaume Aoutou, merci à nos très chers téléspectateurs. On va se retrouver aux abords de la pelouse pour les interviews après match et se retrouver demain pour une autre rencontre avec Guillaume Aoutou. Merci. Merci et à tout à l'heure.
Merci Benson, Gonazo. La JCAT va jouer en Ligue 1 la saison prochaine. C'était vraiment fini. Vous jouez pour la prime et puis vous faites battre par l'Entente Sportive de Benjerville, une équipe qui va en Ligue 2. Comment ça se passe dans la tête? Merci monsieur. Cela m'affecte beaucoup. J'avais dit dans les journaux que nous n'allons pas venir jouer avec les frères à main. Mais je pense bien que comme c'est la cinquième place qu'on cherchait, bon, l'objectif n'était pas notre objectif en quelque sorte, ce n'est pas ce qu'on voulait atteindre, mais l'objectif nous a imposé ce qu'il voulait nous donner, qui était le maintien. Nous l'avons eu. C'est vrai, Benjerville va en deuxième division. C'est une très belle équipe. Elle a déroulé, elle a produit du jeu. Elle a tout fait pour aller en deuxième division sur une bonne note. C'est ce qui s'est passé. Sinon, cela nous affecte beaucoup, mais je leur ai dit du courage parce que moi, je suis dans l'élite encore. Ils s'en vont. Ce n'est pas pour me moquer d'eux. C'est une très belle équipe. Qu'ils fassent un effort pour qu'ils puissent revenir la saison prochaine. Mais ce que pour nous est déjà fait. On a perdu une prime. Ce n'est pas la fin du monde. On va se remettre en cause pour préparer la saison prochaine. Voilà. Je pense que cette année, ça a été une belle saison pour nous, mais si on n'a pas eu ce qu'on voulait, c'est tout. Voilà. Belle saison, mais une saison en dents de scie. Vous gagnez aujourd'hui, vous perdez demain. Les victoires en dents de scie, c'est ce qui nous a amené là. Sinon, on pourrait être africain. Mais quand j'ai dit, je vais dire dans l'ensemble, la cohésion y était parce qu'on s'entendait très bien. C'est vrai, c'est les résultats qui ne suivaient pas. C'est pour cela que nos dirigeants se plaignaient toujours, puisque la cohésion y est. Mais pour vous, qu'est-ce qui a manqué? Je pense bien que non, il y a beaucoup parmi nous. Moi-même, je fais partie, mais on n'a pas pu mettre Lagnac. Je vais dire, voilà, on n'a pas. Notre abnégation n'était pas assez pour pouvoir avoir une place africaine. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Voilà. La JCAT en Ligue 1 la saison prochaine. Gonazo à la JCAT. Est-ce qu'on peut vous retrouver l'année prochaine à la JCAT? Pour le moment, je ne sais pas. Je suis en quelque sorte en fin de contrat à la JCA, mais pour le moment, je ne sais pas si je vais rester à la JCA ou pas. Il y a une rumeur qui vous annonce en Europe, précisément en Ukraine. Je ne peux pas m'éteindre. Allez, merci Gonazo. Beaucoup de regrets, vous partez en Ligue 2 et puis cette belle victoire. Ouais. Bon, c'est vrai que dans le championnat, nous descendons en Ligue 2, mais on voulait montrer au public que...